Je me réjouis nuit et jour quand je marche entre les mains dans ta source invisible. Thank you.
la parole du Seigneur. Psaume chapitre 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons réellement te remercier, tendre Seigneur, pour la manière dont toi tu conduis les choses éternelles. Nous voulons te remercier pour la parole éternelle que nous avons lue encore ce soir, béni Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, seul le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, tu mérites l'adoration. Seigneur, tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration de toute la création, mon Sauveur. Les hommes, Seigneur, te louent sur la terre. Et dans le ciel, les anges t'adorent, mon Sauveur. Bénis-nous encore ce soir, notre Dieu. Nos cœurs sont élevés au-devant toi, Seigneur. Nous nous attendons réellement à toi, Seigneur. Viens nous visiter, viens nous parler. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous planter réellement en nous, Seigneur, cette sémence, cette parole de vie éternelle, afin que nos vies puissent réellement changer. Seigneur, si nous sommes venus dans ta maison ce soir, c'est pour encore entendre ta voix nous conduire éternelle. Bénis ton serviteur, Père. Nous prions pour lui encore ce soir, afin qu'il soit conduit par toi. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et l'autorité, à jamais dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, moi je garde confiance, l'Éternel est là, l'Éternel. La manière merveilleuse que tu as conduit en mort, Père. Tu es vraiment merveilleux, Père. Nous te sommes reconnaissants de tout notre cœur. Nous nous réjouissons de cette grâce que tu nous as accordée encore aujourd'hui, de nous tenir encore dans cet endroit, mon bénévole Père Saint. Nous pourrons élever réellement nos voix devant toi, sachant que tu es notre Dieu qui entend le prière, Seigneur. Le Dieu aussi qui exauce notre Sauveur. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ton amour à l'endroit des hommes, mon bénévole Père Saint, pour ce que toi tu as fait pour nous, ô notre Dieu, et ce que ce soir tu continues encore davantage à faire encore pour nous, Père. Nous ne voulons pas être ingrats à ton endroit. Nous voulons te dire encore merci, Père. Nos cœurs te sont reconnaissants. Sois donc béni, ô notre Dieu. Au-dessus de la terre, tu as jeté les regards sur nous, Père. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont aussi peut-être mieux que nous, Père. Mais il a plu à toi de nous choisir,
Seigneur notre Dieu, nous devons être présents à toi encore ce soir, Père, pour te louer, pour te glorifier, mon Seigneur. Que ton nom soit béni, oh notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, mon roi. Nous ne sommes pas juste droits, Père, mais c'est simplement par ta grâce et ta bonté, mon Seigneur, pour encore nous tenir encore ce soir en ces lieux, Père. Pardonne nos offenses, mon bénévole, Père Saint. Oh, sois béni encore aujourd'hui, notre Dieu, parce que tu nous as conduit encore à chanter les chants des Sion pour la gloire de ton Saint-Nom, notre Dieu. Nos cœurs se sont réduits encore devant toi, Père. Bénis chaque frère et chaque sœur encore ce soir. Nous avons aussi également aussi notre Dieu. Nous voulons continuer encore la marche avec toi, mon Sauveur. Nous te supplions certainement d'être avec nous, notre Dieu. Continue avec nous, notre Père. Nous avons vraiment besoin de ta main, Seigneur. Qui est secourable, notre bénévole, Seigneur, oh Dieu. Et ton secours à toi, même pas jamais, même pas jamais, même pas puissant. Soutiens chacun de nos pères et accorde-nous encore la grâce. Merci encore pour le chant des cantiques, pour le psaume, pour l'adoration, Père. Merci encore pour le cœur qui t'ont aimé encore ce soir et qui t'ont chantier encore, mon bien-aimé Père Tissant. Merci pour la délivrance, la guérison que tu as aussi opérée. Nous te rendons gloire, honneur, encore aujourd'hui, Père, dans notre amour aussi glorifié et prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son Saint-Nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Chaque jour qui passe est aussi un jour de grâce pour nous. Amen. Et nous nous réalisons quand même que nous sommes vraiment des pèlerins, des étrangers et des voyageurs. Ce monde n'est pas notre monde, bien que nous y soyons, mais nous sommes simplement des passagers. Et si nous y sommes, c'est parce que le Seigneur, en faisant aussi ce qu'il a établi comme histoire pour l'humanité, a voulu aussi que les témoignages soient rendus aussi. Et par là aussi, il a voulu aussi que nous soyons sur cette terre pour que, au travers de nous, et sa parole et ses promesses puissent aussi s'accomplir. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, qu'il en a fait ainsi de même aussi avec le peuple d'Israël, pour lequel aussi ce peuple avait les promesses de l'Éternel, et qu'ils entraient même en esclavage avec les promesses de l'Éternel, et pouvoir réellement aussi le faire sortir. Il a voulu que ça soit vraiment aussi un moyen par lequel la terre entière puisse réellement aussi réaliser, reconnaître que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est vraiment vivant. Que rien ne puisse arriver à pouvoir amener aussi les hommes à croire ou à penser que réellement que Dieu n'existe pas, Dieu n'a rien fait. Et le peuple d'Israël est un témoignage vivant réellement de la présence, de l'existence de ces dieux et aussi de la puissance aussi de ces dieux, de pouvoir déployer et d'agir au travers d'un peuple et arriver à pouvoir le déployer. Aujourd'hui, sur la terre, les hommes peuvent dire beaucoup de choses et même prétendre qu'ils ne croient pas, mais il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on puisse parler d'Israël. Ce qui veut dire qu'effectivement, que cela est quelque chose qui est comme un rappel dans la mémoire ou dans la pensée de chacun sur la terre, que peu importe toutes les directions que vous pouvez prendre, il y a quand même un Dieu qui a manifesté sa volonté pour les hommes, mais il a démontré effectivement qu'il est vivant et que le désir et la volonté qu'il avait effectivement pour l'humanité, il a aussi manifesté cela au travers effectivement de ce peuple. C'est par Israël que nous avons eu la grâce de connaître l'existence du Messie. C'est aussi par Israël, effectivement, nous avons aussi la grâce de connaître aussi la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, vous connaissez samaritaine, non? Que vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Donc, nous devons être conscients, effectivement, que à nous, nous avons la grâce de pouvoir réellement saisir les choses de Dieu, qui est un témoignage pour nous, et surtout nous qui sommes des croyants auxquels le Seigneur a accordé la grâce. Et même dans les moments les plus sombres, effectivement, nous devons simplement nous souvenir, quand nous pensons à Israël, nous devons réaliser que Dieu est vraiment vivant. Amen. Et que ce Dieu, effectivement, il est le Dieu de sa parole et effectivement, il veille constamment sur ce que lui, il a déclaré. Parce que quand nous pouvons voir l'état d'Israël, effectivement, donc le pays dont je parle, effectivement, d'Israël, nous pouvons réaliser et regarder même que c'est vrai que Dieu n'a pas fait défaut. Dans les Saintes Écritures, il a vraiment décrit les choses qui concernaient Israël, comment il a pu marcher avec eux, alors que nous n'étions même pas connus, nous n'étions même pas concernés dans ces choses. Il a déployé effectivement sa grandeur au travers de cette nation. Et à un certain moment,
Il avait même dit, c'est merveilleux cela, ce qui était dans sa parole, mais j'appellerai mon peuple ce qui ne veut pas considérer comme mon peuple. Et j'appellerai bien-aimé ce qui ne veut pas considérer comme bien-aimé. Parce que c'est vrai, nous l'avons entendu, effectivement, mais un circoncis, nous n'étions même pas, effectivement, sans espérance, sans foi, sans Dieu, dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais Dieu lui-même, dans son plan, il savait, effectivement, et il avait pourvu à cette ouverture. C'est ainsi qu'on peut réellement réaliser et avoir l'assurance et la confiance, la certitude, effectivement, que ce que Dieu a écrit dans sa parole, peu importe notre façon de penser ou même de croire ou même de voir imaginer la chose, nous devons être sûrs et certains. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est ce que cela, effectivement, comme cela a toujours été aussi dit, que même si nous ne le croyons pas, même si nous doutons effectivement de cela, cette parole divine de Dieu, elle s'accomplira certainement dans le moindre détail. Puisque nous avons un témoignage vivant, c'est le peuple d'Israël. Vous savez que ce peuple était tellement orgueilleux en cet moment. L'orgueil est monté en disant qu'il n'y a que nous, de toute façon, c'est au travers de nous que Dieu doit faire, effectivement, parce que nous sommes la possédée d'Abraham. Parce que vous vous souvenez même quand le Seigneur a prêché, effectivement, la parole dans Jean 8, effectivement, il dit, mais le Juif qui était là, il crut à la parole de Dieu. Et puis il leur dit, mais oui, mais si vous demeurez dans ma parole, vous allez de quoi? Vous êtes vraiment mes disciples et vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Mais l'orgueil est monté. Il dit, mais nous avons cru, mais de toute façon, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà un peuple qui est libre, en fait. Et pourtant, il n'était pas sauvé, il n'était pas libre. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que nous n'avons jamais été esclaves de personne. L'orgueil, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc pour eux, c'était que comme nous sommes les enfants d'Israël, pour nous, le ciel et toutes les choses de Dieu sont pour nous. C'est vrai quand même que la Bible l'a dit, hein? et je crois que je l'ai lu dimanche de l'autre côté là-bas à Bruyères, c'était dans Romains, je pense, au chapitre 9, hein? Romains au chapitre 9, oui, je crois que mon frère Michel était là. Amen. Romains au chapitre 9, ici, verset 3 dit, Romains 9, 3 dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont donc israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Donc tout leur appartient les mots, frère. Et les cultes, les promesses, les alliances, effectivement, certainement, tu peux se regarder et dire, mais oui, mais et nous l'avons, et puis Dieu ne peut même pas traité avec d'autres. Pourquoi même quand il s'agissait effectivement des gens des nations, ils ne voulaient même pas entrer chez eux, parce que rentrer là-dedans, c'était souillant. Donc effectivement, ils se sentaient que non, nous, dans ce que nous sommes, nous allons voir Dieu, nous sommes sauvés, postérité d'Abraham. Ils lui ont dit. Il dit, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes la postérité d'Abraham. C'était pas dans le sens. Il dit, mais frère, en tout cas, mais quand même, nous sommes. Non, il dit, non, c'était dans non, quand même. Avec cette ère de déniant. C'est comme ça que sont beaucoup de ceux qui lisent des brochures, non? Ah, ils sont tellement imbibés quand ils étaient pas dit, ah, là, tu n'as pas prononcé comme cela c'était, parce que les prophètes n'ont pas dit ça dans ce terme-là. Parce qu'il a dit comme ça. Donc, on arrive à ce moment où on est tellement orgueilleux, on dit, mais s'il épousait, mais c'est bien moi. Et là, c'était comme ça aussi. Ah, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et Christ, notre Seigneur, le regardait. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais ils disent que nous sommes riches, nous avons besoin d'aide, mais malheureuses, pauvres, aveugles, élus. Et puis, il dit, achète-moi de leur éprouver. Il dit, mais je sais. Parce qu'il dit, mais oui, c'est pas compliqué. Il dit, mais nous sommes là. Il dit, mais je sais que vous êtes la postérité. Il n'a pas nié, vous comprenez, non, lui donne l'agence du Covid. Il n'a pas nié cela. Seulement, c'est la manière, la façon dont ils étaient, alors que Dieu leur offrait quelque chose de tellement si important, auquel Abraham avait lui-même aussi soupiré. Là, ils étaient là, se référant simplement à Abraham. Dans Jean chapitre 8, il dit cela. Et verset 30, on soit parlé verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça commence à choquer, hein, parce que se disent, mais maintenant, il se prend même pour qui, quand même? Qu'ils nous disent, donc, que si nous demeurons dans sa parole, et il dit, alors vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est alors... Il lui répondait, que Dieu vous bénisse ma soeur, quand vous avez dit Amen. Voyez-vous, c'est merveilleux ça. Mais eux ne pouvaient pas dire Amen. Et ils disent, il lui répondit, mais hey, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est pas avec ça, il dit, mais frère, tu dis, nous sommes, explique-nous un peu. Non, c'est dit, mais non, comment tu peux nous parler en disant que oui, mais la vérité nous affranchira. Tu nous prends pour qui? Je ne sais pas pour qui. Nous avons la connaissance, nous sommes la possédée d'Abraham, effectivement, qui, en plus, avec Abraham, nous sommes donc libres. C'est pour ça qu'il dit effectivement ici. Hein. Il dit, mais nous sommes la possédée, peut-être en quoi? La possédée d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu peux nous dire vous deviendrez libres? Tu ne prends pour qui? Voyez-vous ça? C'est pour ça que l'Écriture parle clairement, comme l'avons toujours dit, mais la connaissance, elle enfle. Et j'ai toujours dit, effectivement, que la connaissance qui vient vraiment de Dieu ne peut pas vous enfler. Amen. Quand elle vient de Dieu, elle vous ouvre les yeux, mon frère. Amen. Alors vous réalisez mais la grâce que Dieu vous accorde. Et là, c'était l'orgueil qui vient, effectivement, qui dit, mais alors que Dieu leur a porté cette grâce devant eux, leur donnant maintenant à Seigneur Jésus, s'ils pouvaient avoir vraiment lu avec l'Esprit de Dieu ce que leurs prophètes ont eu à pouvoir parler, je crois que ces jours-là, ils auraient glorifié le Seigneur. Comme si Siméon pouvait prendre l'enfant dans ses bras, réaliser la grâce que Dieu lui a accordée. Il dit, maintenant, Seigneur, tu peux prendre ton serviteur. Car mes yeux à moi ont vu ton salut. Ce que avait été annoncé, effectivement. Alors, il leur dit, effectivement, écoutez bien, il dit, mais oui, verset 34, il dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit. Si... Leur répliqua Jésus, quiconque se livre donc au péché est esclave du péché. Vous entendez cela? Amen. Il se livre au péché, il est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Amen. Donc, il fait que Dieu vous bénisse. Amen. Il a fait, voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur a toujours raison, que son nom soit béni. Amen. Il a toujours dit que mes paroles sont esprit et vie. Amen. Quand on est charnel et que la parole est spirituelle, il y a un combat pour la compréhension des choses. Amen. Ici, il a fait comprendre qu'effectivement, que si vous connaissiez les dons de Dieu comme la femme au puits, si vous saviez effectivement ce que Dieu vous a offert aujourd'hui, parce que avec la loi, avec les prophètes, vous y allez effectivement, mais vous ne changez point. Et vos péchés étaient toujours couverts. C'est vrai. Ils se gravent toujours. Et ça, c'est pas parce que vous êtes la postérité d'Abraham que réellement que vous devez être directement au pas, au pas au ciel. Non, parce que regardez très bien, frère, si vous remarquez très bien. L'Écriture nous montre exactement que tous ceux qui mouraient, même Abraham lui-même, étaient aussi dans le séjour des morts. Vous vous souvenez encore, non? Amen. Dans le livre de Luc. Vous connaissez, non? Amen. Mais regardez très bien, frère. C'est donc, que ce soit les prophètes et les saints, tous ceux qui mouraient, c'était là, dans le séjour de mort. Alléluia. C'est pourquoi, vous pouvez voir effectivement que lorsque cet homme ici, de ce roi Saül, et qui avait été rejeté par Dieu, mais qui était toujours roi, effectivement, et il a consulté les terrains, les terrains, effectivement, pas d'avoir consulté, personne ne parlait, donc Dieu ne répondait plus parce que Dieu l'avait rejeté, mais c'est toujours roi. Vous vous souvenez, non? Amen. Alors que maintenant, il était dans la bataille. Et puis il était un homme, il a consulté, Dieu ne lui répondait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers la sorcière d'Endor. Vous vous souvenez, non? Amen. Alors là, il s'est d'abord couvert pour dire, voilà, je viens pour pouvoir effectivement te demander de consulter quelqu'un. Mais non! Et c'est dit, c'est ce qui est ici, parce que nous, on a interdit ça. Il dit, mais fais-le, il n'y aura pas de problème. Il dit, qui veux-tu que je puisse invoquer? Vous vous souvenez? Amen. Et il dit, mais il faut que tu invoques Samuel. Vous connaissez, non? Amen. Lorsque la femme a commencé à invoquer Samuel, vous avez remarqué ce qui s'est passé? Elle a lancé un cri, elle a crié. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je vois qui?
Je vois un Dieu qui monte de la terre. Amen. Pas qui descend du ciel, mais qui monte de la terre. Il était dans le séjour de mort. Amen. Oui, c'est comme cela, c'est pourquoi il pouvait invoquer qu'il pouvait monter. Parce que s'il était de l'autre côté, comment peut-il invoquer qu'il descend? Amen. Non, monsieur, là-bas, c'est plus haut, c'est une autre dimension. Amen. Ah, Christ est tellement important, mon frère. Amen. Ils étaient tous là enfermés dans cet endroit. Parce qu'ils n'avaient pas accès là-bas au ciel, monsieur. Leur péché était couvert. Quand Dieu regardait, il fallait effectivement qu'il y avait de la couverture. Il dit, mais quand le Fils vous libère, amen. Alléluia, vous êtes libre, mon frère. Amen. Vous pouvez avoir maintenant accès à les séjours des morts, n'a plus le pouvoir sur vous. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il disait, mais toi, tu as un démon. Vous dites, mais parce que tu dis que celui qui garde ta parole ne verra point la mort. C'est pourquoi on voit que Dieu samaritain, les gens qui prétendent être des croyants. Mm. Vous suivez ça? Ouais. Et puis il dit, mais Abraham, notre es-tu plus grand que notre père Abraham? Parce qu'il se réveille toujours. Mm. Alors qu'ils ont dit, mais nous sommes là pour s'aider d'Abraham. Il dit, mais. Et alors il regarde simplement, il dit, mais c'est Dieu dont vous dites que vous le connaissez, vous. Moi, je connais, n'est-ce pas? Ouais. Et puis bon, Abraham, dont vous dites effectivement votre père. Certainement, il dit, mais Abraham, votre père, là, dont vous référez, mais il a vu mon jour. Amen. Et il s'est réjoui. Il dit, avant qu'Abraham fût. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'Abraham fût, et bien moi je suis. Amen. Alléluia. Amen. Et mes frères et sœurs, le Seigneur montre à l'homme, c'est quand même triste parce que l'homme, quand il est charnel, c'est un homme animal. Et l'homme animal a difficile de pouvoir saisir les choses spirituelles. Pour ça, on a des combats. On a des combats, on est là, effectivement, mais aussi longtemps qu'on n'est pas spirituel, on aura toujours des combats entre eux. Amen. Comme il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, effectivement? Il y avait Abel et il y avait Caïn. Abel était un fils de Dieu. Mais Caïn était un fils du malin. Il était charnel. Lui, il était spirituel. Il reflète la vérité, mais bien sûr que oui. Parce que la Bible dit, c'est par révélation qu'Abel a offert son sacrifice. Amen. C'est vrai, non? Amen. Et bien, Caïn, lui, faisait les choses selon ceux qui pensaient qu'avec Dieu, ce sera comme ça. C'est vrai. Donc, Caïn avait toujours un problème avec Abel. Mais Abel, lui, il ne cherchait pas les problèmes avec Caïn. Donc, effectivement, quand on est spirituel, on comprend les choses de Dieu. Alors, on s'aligne effectivement en fonction de ce que Dieu veut de nous. Amen. Et quand la parole de Dieu sort, on ne discute pas, on entend, on saisit, on comprend et on avance. Amen. Et certainement, c'est vrai, frère, c'est pour ça. Il faut toujours faire très attention, ne pas rester sous ses propres lauriers, mais savoir s'examiner tout le temps avec la parole de Dieu. Amen. Seigneur, j'ai entendu, mais qu'est-ce que cette parole a fait comme effet en moi? Est-ce que je l'ai discuté et puis rejeté? Ou bien je l'ai accepté et puis maintenant elle agit au moins en moi? C'est cela. Et là, c'était une grâce extraordinaire, mon frère. Parce que Abraham, il dit, mais Abraham, votre père, dont vous dites, il a vu mon jour, il s'est réjoui. Amen. C'est écrit. Amen. Donc imaginez que seulement le fait de voir ces jours-là, l'homme s'est réjoui. Mais quel soupir, le Seigneur, je voudrais t'arrêter là jusqu'à ce qu'il vienne. Tous les saints de les prophètes, c'est vrai, frère, quand on regarde dans les saintes écritures, juste simplement, la grâce que Dieu a accordée, que le voile soit ouvert, l'homme qui était dans un état de mort, de maladie, comme il dit, mais il s'élève et s'est coué. Il dit, je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Ainsi, mon corps a été détruit. Les yeux des hommes le verront. Jésus-Christ est tellement si important. Et tous ceux qui ont passé avant nous, frère, ils comprenaient, ils savaient l'importance de cet homme-là. Il disait, Seigneur, accorde ma grâce qu'on soit là quand il viendra. Amen. Il dit, les saints et les prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Amen. C'est vrai. Et entendre ce que vous entendez. Que la grâce que vous disiez cela. À ses disciples. Que nos grâces. Vous savez,
Quand Dieu fait tellement de grandes choses au travers de quelqu'un, vous savez, les gens attendent toujours effectivement que ce soit beaucoup plus de blablabla. Mais c'est dans une telle simplicité. Notre Seigneur Jésus, lui, il est Dieu tout-puissant. Dans la forme d'un homme. Il était là au milieu de l'homme, mais les gens préféraient les Sanhédrins, préféraient les Caïphes qui étaient là au-dessus, qui géraient. Tout le monde allait vers la Caïphe, mais tous l'abandonnaient. Mais c'était le Dieu pour lequel les temples là existaient. Frères et sœurs, il faut que, voyez-vous, Dieu donne à ses enfants la grâce de pouvoir le voir plutôt dans la simplicité. Comme l'avons entendu avec André, avec Philippe, effectivement. Et ils étaient, c'était tellement, quand on le voyait, il dit, mais c'est. Celui-là était un bâtard, mais quand ils l'ont vu, nous avons trouvé. C'est lui de qui Moïse et les prophètes ont parlé, et les équipes ont parlé, effectivement. Mais Jésus de Nazareth. Donc, effectivement, leur façon de voir était tout à fait différente. De tout ce qui était là, effectivement, qui pouvait vraiment être de croyants, effectivement, qui, oh, pardon, des croyants, et qui pouvaient, mon précieux frère, c'est pour toi, qui pouvaient réellement aussi arriver à pouvoir regarder et dire qu'effectivement, parce qu'ils étaient tellement imbus dans leur religion, en fait. Vous savez, l'orgueil n'a jamais été quelque chose qui pouvait avoir quelque chose avec Dieu. Non, l'orgueil a toujours été quelque chose qui a toujours eu à voir avec Satan. Ça, n'oubliez jamais, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi que nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu, notre Seigneur, vont prier, Seigneur, travaille mon âme, travaille ma vie pour que tout ce qu'il y a comme orgueil de la vie, de ce qui se passe, soit entier. Que je puisse simplement être un vase comme tu le veux, en tant que frère et soeur, même si on m'insulte, j'accepte. Même si, ok, je ne réplique jamais la méchanceté. Même si quelqu'un n'est même pas, Seigneur, qu'il n'y ait pas cette tranquille de dire, c'est moi aussi je vais faire, Seigneur, épargne-moi de cela. Amen. Parce que Satan était subtil, il viendra, mais toi quand même. On dit ça de toi, tu dis quand même, et toi, regarde-toi quand même, et toi, et toi, et puis quand tu entends toi, toi, moi, moi, mon Dieu, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Ah, là, il a eu la victoire. Amen. Non, mais la Bible dit que injurier, il rendait point de jure. Maltraité, il faisait point de menace. Amen. Non, monsieur, ça nous arrive hein, quand quelqu'un te maltraite, il dit, ah là là, si, en tout cas, Dieu va te faire, Dieu va se souvenir de toi. Non, monsieur. Ah, mais nous sommes des humains. Amen. Seigneur, tu vois, souviens-toi de ce qu'ils me font. Hein. Ça nous arrive. Mais lui, non. Il disait, pardonne-leur. Nous devons arriver à ce stade. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que quand nous prions le Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors combien de fois moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé? C'est difficile, hein? Mais je dis pardonne-nous. Le Seigneur est merveilleux. Il est sage. Il nous a appris ça. Dans la prière, tu te juges toi-même, non? Quand tu dis le Seigneur, pardonne mes offenses. Mais qu'est-ce que j'ai dit après? Pardonne mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui? Bon, ah, est-ce que je pardonne? Amen. Amen. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons parfaits. Amen. Et que comme nous aimons tellement sa parole, quand on prie là, je me souviens, je dois pardonner. Amen. Seigneur, comme je veux que tu me pardonnes, même s'il m'a insulté, même s'il ne m'aime pas, même s'il veut me couper la tête, pardonne-lui. Mais ce pardon est du fond du cœur, je demande pardon pour lui. Amen. C'est ce que Dieu aime. Amen. C'est ce que Dieu attend. Travailler, il veut que nous soyons droits, justes et vrais. Amen. Amen. Notre Père est célébré. Ce soir, nous voulons te dire vraiment merci. Nous voulons glorifier encore ton Seigneur pour la grâce, la miséricorde que tu vas tenir nous apporter. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous nous réjouissons encore de ta grâce bonté. De ta miséricorde aussi à notre voix. Combien nous sommes heureux. Combien nous sommes dans la joie de pouvoir résoudre ta pardonner, nous sommes bénis. Oh, nous te remercions encore pour tous nos frères. Seigneur, et dans l'unité, bénévole fratricent, la même parole, mon roi, la même foi, le même amour, mon bénévole, même cœur, même âme, mon bénévole, Seigneur et Sauveur. Aide-nous, notre Dieu, que rien ne vienne troubler ce qui est à toi, mon bénévole, Père, oh Dieu, même si les troubles venaient, que ton nom soit toi, oh, je voudrais, Père, oh Dieu, maître, Père, puisse encourager mon roi, afin que les puissent enfuir au loin, mon bénévole.
n'est pas une sorte. Nous implorons ta grâce en ce moment aujourd'hui, Père, parce que nous croyons que tu es encore présent, mon bénévole Patrice, et que les saints sont encore sous le trône, notre Dieu. Nous revenons à toi, mon maître béni, Père. Dieu est Dieu, laisse-moi les pardonner au notre Père. Nous inclinons vraiment pour implorer ta grâce, mon Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu, souviens-toi de nos pères saints. Nous voulons être obéissants, mon roi. Nous voulons tellement que nos cœurs soient tellement travaillés. Sans l'humilité, mon bénévole Patrice, être vraiment semblable à toi, mais que tu es merveilleux, c'est vrai. Tu es tellement si grand, roi. Tu t'es quasiment la simplicité, mon bénévole, tu te révèles aussi dans la simplicité, mon père. Nous avons confiance en toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous réalisons combien tu es tellement si grand, notre Dieu. Béni sois-tu encore aujourd'hui, Père. Conduis encore nos pas, mon maître béni, ma distance. Et soutiens chacun de nous encore aujourd'hui, mon roi. Et tant simplement, ta main, Seigneur, et agis encore parmi nous, Père. Oh, nous comptons les gens sauver. Oh, cette grâce qui vient de toi. Puisses-tu encore nous pardonner, mon roi. Et nous ramener encore davantage, mon bénévole, ma distance. Considérez ce que tu es, ce que tu fais pour nous et parmi nous, mon bénévole, ma distance. Seigneur, agis encore, mon roi. Seigneur, encore manifeste encore ta grâce et ta bonté, Seigneur, à la gloire de chacun de nous, notre Dieu. Nous voulons vraiment, bénévole, nous réconcilier avec toi. Dans nos cœurs et dans nos âmes, bénévole, Patrice, nous comptons sur ta grâce et ta bonté. Nous comptons sur ton amour et ta miséricorde dans notre endroit. Nous comptons réellement sur ton secours encore aujourd'hui, Père. Oh, tu n'as pas changé, mon maître béni, Père. Nous ne voulons pas être avec un cœur endurci, mon bénévole, Père. Nous voulons avoir un cœur qui est endurci, bénévole, Patrice. Un cœur qui est vraiment attendu par toi, mon bénévole, Père. Un cœur obéissant, notre Dieu. Un cœur attendu et touché par toi, mon sauveur. Comme tu l'as fait au jour des 23, mon bénévole, Père, mon Dieu. Le cœur a été vivement touché, mon roi. La vie a été complètement changée, Père Tibisson. Au fur et à mesure, nous sommes venus ici, oh notre Dieu. Nous te supplions encore aujourd'hui, Père. Oh, Dieu, de briser encore le cœur, Dieu, mon roi. Oh, Dieu, de lever tout ton cœur, mon bénévole, Père Saint. Mais d'accorder la grâce, mon roi, que ta nature à toi se manifeste dans chacun de nos pères. Oh, nous voulons vraiment être semblables à toi. Parle-nous encore. C'est vrai, Père, la nature de l'homme est ainsi. Mais toi, tu veux plus que l'homme soit dans cette nature ou pas. Personne, tu veux qu'il soit pour m'échanger dans une nouvelle vie, pour venir me battre à l'envie. Pourrais-tu parler effectivement dans la nouvelle naissance pour venir de personne. Je suis encore, nous assister encore ce soir. Béni soit ton Seigneur, exalté soit ton nom, du Père. Nous voulons te dire encore ici. Nous voulons te glorifier encore, du Père. Merci pour mon frère et merci aussi pour ma soeur, Père, qui en cet endroit est venu aussi aujourd'hui, mon bénévole Père Saint, et qui a entendu aussi, bénévole Père Saint, Dieu a obéi, bénévole Père Saint, et qui, bénévole Dieu, se laisse approcher encore à toi, Père. Ce soir, je prie encore pour chacun de Père. Bénis tout cela, Dieu, il y a pouvoir en train, mon bénévole Père Saint, Dieu, et que je reste conformé aussi, bénévole Père, à ta parole à toi, mon sauveur. Bon, nous avons tellement besoin de toi, nous avons besoin de ta main puissante et glorieuse pour moi, celle qui assiste encore aujourd'hui, mon bénévole Père Saint, celle qui prie encore les chefs des liens, mon sauveur béni, et qui attire encore davantage à toi, parce que nous savons qu'un jour tu viendras, tu reviendras certainement, mon bénévole Père Saint. Nous t'attendons de tout notre cœur, mon roi, mais souviens-toi de nous, notre Dieu, là où nous avons failli, pardonne, mon bénévole Père Tibissant, et ramène-nous encore sur le chemin, mon bénévole Père Tibissant, et souviens-toi de nous, notre Dieu, que sous la terre nous n'adorons que toi seul, bénévole Père Tibissant, et dans ces moments, mon bénévole Père, nos cœurs, nos âmes soient attachés à toi, Père, certainement, c'est vrai, nous avons la faiblesse, oh Dieu. Et nous te prions, mon roi, de nous fortifier encore dans la foi, afin que nous puissions approcher davantage à toi. Louange et honneur à toi, toi qui es Dieu vivant, notre Dieu, qui restaure encore davantage, mon bien-aimé Père. Agis à cause de ton Seigneur, nous sauveur. Bénis mon frère, et bénis ma soeur, bénis. Souviens-toi aussi de nos enfants et de nos précieux frères et sœurs. À tous, ils sont encore aujourd'hui, Père Saint. Oh Dieu, de ceux qui sont réellement fidèles à toi, ton sauveur. Bénis mes personnes dont leur vie est attachée au Seigneur. À cause de ton Seigneur, à cause de nous pour la France. Merci Seigneur. À cause de nous pour le soutien. Que l'aide encore ce soir. Nous te remercions encore pour tout. Merci Père pour mon frère. Merci Père pour ma soeur. Merci Père Dieu pour nos enfants. Nous sommes bénis. Nous te prions pour que tu puisses vraiment continuer à agir, Père. Que les ailes, la flamme continue à briller encore dans leur cœur. L'amour encore davantage pour toi, pour te servir, Père Saint. Afin que le monde n'ait pas les déçus sur eux, mon bénévole Père Saint. Mais simplement que cette nature de Christ, mon roi, puisse davantage, Père, prendre vie et prendre foi, mon bénévole Patrice. Parce qu'ils sont appelés à être des témoins de toi, mon bénévole, dans ces bas-monde, mon bénévole Père. Dans la jeunesse, mon roi, ils sont aussi des lumières, mon bénévole Père Saint. Au travers desquels les gens peuvent voir aussi une grande différence, Père. Je t'en supplie, mon
pourvoir. Tu implores ta grâce pour bénir les personnes. Tu es Dieu qui nous a fait la promesse que tu es réellement celui qui nous guérit par tes vêtements sur mon roi. Puisses-tu encourager afin que le malade parmi nous soit guéri, Père. Bon Dieu, fais les témoignages de ta grandeur pour bénir les Père Tissant. Nous te remercions parce que tu les fais autour. Au jour le jour, bénir les Père Tissant. Nous avons confiance en toi, Père Saint. Aide-nous encore aujourd'hui, car nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ta grâce et ton amour encore aujourd'hui, ce soir. Béni sois-tu encore, Père. Car nous te remercions, ton Dieu. Louange Dieu et honneur à ton corps. Béni soit ton Seigneur. A toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance est de toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma Nous avons soif de toi, nous avons soif de Dieu vivant, mon sauveur. Il n'y a
rien de meilleur que de pouvoir vivre pour toi sur la terre. Moi, te servir réellement, mon béni Saint-Esprit. Nous sommes à toi. Je me plante ta grâce encore ce soir, mon Sauveur. Agis à cause de tout ça. Merci. Merci encore pour tes prophètes. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta grâce encore, mon Sauveur. Oh, tu es le Dieu qui nous tient. Par ta main, mon béni de Patrice. Tu es le Dieu qui nous soutient, mon Sauveur. Nous avons vraiment besoin d'être guéris encore. Nous avons besoin de toi pour nous conduire encore sur ce chemin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, aide-nous encore à revenir encore, mon bénévole Père Saint. Nous voulons chercher véritablement ta face, mon Sauveur. Nous voulons réellement nous donner l'avantage aussi à toi, mon Maître béni Père. C'est un jour de grâce aussi, Seigneur, oh Dieu. Nous te supplions d'être avec nous. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de la vérité, mon bénévole Père Dieu, pour que nous soyons aussi vrais, Père. Nos cœurs et nos âmes et nos sentiments, nos pensées, aussi vrais, toi, mon bénévole Père. Oui, soutiens chacun de nous encore aujourd'hui. Oh, que ce cœur sois totalement à toi et abandonné à toi. Je te remercie encore. Oh Jésus, oh Sauveur. Merci, Sauveur béni. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. Gloire à toi encore ce soir. Gloire que nous désirons, gloire que nous aimons et Dieu. Oh, c'est vers toi que nous sommes là, béni de Patrice. J'étais dans ma chambre haute, il était là, priant, béni de Patrice. Oh Seigneur, ton maître, descends, mon maître. Pour la grâce, mais bon, je prie aussi pour nos frères qui sont aussi en connexion, pour nos soeurs aussi que tu as donné aussi, qui sont aussi en connexion, Père. Nous prions pour chacun d'eux, mon bénévole Père Saint. Si nous sommes aussi chers, mon bénévole Père Tissant, que tu puisses encore les bénir dans tous les pays où ils sont, mon Sauveur bénévole. Car le temps est tellement devenu court, je donne la même parole pour moi. Oh, nous voulons avoir la même foi, nous voulons avoir le baptême du Saint-Esprit, Père. Nous voulons t'avoir toi avec nous, mon Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, libère, Seigneur, délivre mon roi. Seigneur, remplis encore le cœur, mon bénévole Père Tissant. Seigneur, libère le cœur, mon bénévole Père Saint, afin que nous puissions être dans la joie de voir te servir encore, Père. Libère mon frère et pardonne ma soeur aussi, bénévole Père Tissant. Dieu, que tu puisses encore accorder la grâce pour moi. Nous ne voulons pas regarder à gauche et à droite, mon bénévole Père Saint. Nous ne voulons pas regarder à ce qu'on pourrait dire de nous, mon Sauveur. Nous regardons simplement à ce que toi tu penses de moi, ce que tu penses de ma chère, mon bénévole Père Saint, ce que tu penses de mon frère, mon bénévole Père Saint, pas ce que l'autre pense, mais ce que toi tu penses, oh Jésus-Christ, pour moi. C'est toi qui nous as appelés à pouvoir te servir, toi, à être un instrument pour ta foi. Merci encore, nous sommes bon. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta délivrance, mon Sauveur. Merci pour tout le bien que tu nous aides pour moi. Nous prodiguer, vous venez de faire. Nous prions à toi pour ce lieu, pour cette assemblée, Seigneur. Et laisse que ta flamme à toi puisse brûler encore davantage, mon Sauveur. Tiens-nous encore dans ta parole, bénis notre Dieu. Nous te remercions de ce que tu nous parles, bénévole Père Dieu. Ta parole est la vérité, mon bénévole, parce que tu la confirmes. Oh, de nous vite encore davantage, mon bénévole Père Saint. Nous voulons être un peuple attaché à toi. Un peuple vraiment dominé par toi, mon bénévole Père Puissant. Oui, tu veux pardonner, mon roi. M'accorder la grâce, ma voix, demeurer dans ta pensée, dans ta parole à toi. Où ton peuple, mon bénévole Père, oh Dieu, afin qu'il vive, mon bénévole. Afin qu'il avance pour toi, mon bénévole Père Puissant. Qu'aucun ne puisse laisser y arriver trop tard, mon bénévole Père Puissant. Que chacun de nous puisse réellement aussi être conscient. Avançant, nos enfants aussi avançant, mon bénévole Père. Je t'en supplie, mon roi. Je prends ta grâce encore ce soir, mon Sauveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de voir nous éclairer pour nous conduire en grand amour, mon Dieu. Que les portes s'ouvrent, mon bénévole Père Tissant, afin que les âmes puissent encore venir pour t'écouter, mon bénévole Père Dieu. Et se servir de toi, le Dieu très haut. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Merci, Père. Les pompettes, c'est toi. C'est toi, l'amour. À toi, le Père. Oh, toi qui connais nos pieds. Oh, toi qui te connais tes qualités. Toi-même, agir. La manière dont tu veux que les choses soient faites, nous attendons à toi, je t'en supplie. Donne la force au toi, que tu te dis à ma dans ta présence. Béni soit-tu, Lord.
Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci. Merci. Que nous soyons merci en oui, Père, et que nous si grand, c'est si nombreux, mon Dieu, mes pères, que je ne puis compter, mon Dieu, mes pères. Et je vais te dire merci, notre Dieu. Oui, pour ce soir encore, pour cette privilège, pour cette grâce que tu m'as accordé, mon Dieu, mon roi, d'être encore présent dans cette vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, mon Dieu, mes pères. Laisse-moi marcher encore avec toi. Laisse-moi être encore à tes pieds, à toi, mon Dieu. T'aimer encore davantage. Abandonne encore totalement de tout mon cher encore en tout cas, mes mauvais mères. Oh Dieu, encore nombreux. Et je te remercie. J'étais lourd, mon Dieu, mes personnes. Ayez pitié de moi. Accorde-moi ta grâce et ta miséricorde, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Transforme, change-moi encore davantage. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, laisse-le l'unique. C'est pour cela que je crie vers toi. Oh oui, Père, encore ta miséricorde. Oh oui, Père, envers-moi encore ce soir. Je te remercie. Toi, le Dieu vivant. Béni soit ton Seigneur, l'honneur, la gloire, la louange à toi, notre Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus, mon seul désir, Seigneur. Oh, désir, être comme Jésus.
vraiment le désir. Oh Sauveur, rien n'est comparable à toi, oh Sauveur. Oh Saint, je te livre en vie, Sauveur. J'ai vraiment ta grâce pour ce soir, parce que nous ne voulons pas être comme des hommes qui se sentent obligés. Nous voulons être de ceux-là qui prennent le désir, Père. Nous soupirons après toi, mon bénévole Père Saint. Pour que tu nous instruises encore, Seigneur, que tu nous aies convaincu de faire ça. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de cette présence glorieuse. Nous avons besoin de cette vie, Seigneur, de consécration au sommet de nous. Nous avons besoin de marcher vraiment avec toi. Seigneur, aide-nous à pouvoir abandonner cet esprit d'égoïsme, Père. Nous puissions revenir à cet esprit d'unité, Seigneur, et de lien d'amour au bénévole Père Tissot, que chacun de nous, marchant, ayant ses désirs de pouvoir vivre dans l'unité, dans la communion avec ses frères, avec ses soeurs, au bénévole Père Tissot, et soupirant après cela au notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus vivre de par nous-mêmes comme nous le voulons, au bénévole Père Saint. Nous voulons marcher avec cette pensée, Seigneur, comme ceux-là qui nous ont aussi précédé, Seigneur. Tu l'as fait avec ceux qui nous ont précédé, Père, et tu le feras aussi avec nous aussi, Père, et parmi nous aussi également. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié encore ce soir pour la grâce que tu nous as accordée d'être venu dans ta maison, Père, d'avoir entendu aussi ta voix, d'avoir été consolé encore par ta présence, mon sauveur, d'avoir aussi touché encore nos corps, de te ramener encore à toi pour pouvoir vraiment être un peuple qui emboîte les pas, qui avance et au rythme de ta parole, Père. Monsieur, nous aider encore, mon bénévole Père Saint, nous accorder la grâce, Père. Là, nous avons failli que tu nous pardonnes, Père, tu descends que nous positionnons encore dans les choses qui les concernent. Bénis ton peuple, Père, qui ce soir, sur le chemin de retour, entrera donc dans sa maison, Père. Que ta parole puisse continuer à résonner encore à nous, Père Saint, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre mémoire, notre subconscient, sois béni. Notre désir, c'est d'être vraiment comme toi et de pouvoir obéir à ta volonté, mon bénémoine Père Tissant. Vivre aussi pour nos frères, aussi pour nos soeurs, mon bénémoine Père Tissant. Et être là pour pouvoir également te servir comme étant des témoins sur cette terre, mon bénémoine Père Saint. Or, sachant aussi que nous sommes des pèlerins et des voyageurs, mon sauveur. Merci pour la grâce de s'être révélé aussi à nous qui n'étions pas un peuple, mon bénémoine Père Tissant, qui n'étions rien, mon bénémoine Père Saint. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple qui t'appartient, mon bénémoine Père Saint. Une épouse qui t'appartient, sauveur. Merci encore. Garde-nous encore dans la simplicité, dans l'humilité encore de ta parole, mon roi, dans la soumission, mon bénévole Père. Que jamais nos cœurs puissent s'élever, mon bénévole Père. Que jamais l'orgueil ne vienne encore frapper à la porte de notre cœur, mon bénévole Père Divissant. Mais que c'est réellement l'humilité, comme tu as dit, c'est la gloire, Père. Bénis mon frère, bénis encore ma soeur. Car nous t'avons ainsi prié ce soir. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse richement.